And a step on the ladder. At one small step for man, one giant leap for mankind. Avant toute cette histoire, j'avais mis ma vie en suspens. Puis la vie tout autour de nous a changé, brutalement. Nous nous sommes confinés et pour ma part, je me suis enfermé dans un boulot qui ne me plaisait plus. Je ne voyais plus personne, j'ai même arrêté mes hobbies comme réaliser des vidéos. Et puis j'ai observé Saturne, pour la première fois. Et j'ai réalisé qu'un peu comme nous, Saturne est prisonnière de ses anneaux. Pour autant, faut-il oublier ces nombreux satellites qui gravitent autour d'elle et qui, sans eux, feraient d'elle une planète pas si exceptionnelle, sans compagnie et seule dans sa prison? Pour moi, Saturne est l'espoir, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, il nous faut remonter le temps. Saturne est la sixième planète la plus éloignée de notre Soleil. Elle apparaît sous la forme d'un gigantesque ballon d'hélium et d'hydrogène. Non seulement elle est belle et mystérieuse, mais elle a l'air presque surnaturelle. Elle est très facilement reconnaissable grâce à ses magnifiques anneaux. Ces anneaux sont composés à plus de 95% de glace d'eau pure. Ils sont tellement larges que l'on peut les voir nettement depuis la surface terrestre avec un télescope amateur. Cette structure est en fait composée de 8 anneaux principaux. Entre les anneaux, il peut y avoir des séparations qui existent dues à l'action de certaines lunes de Saturne. Ces anneaux ne se trouvent que sur une hauteur d'environ 1 km au niveau de l'équateur de Saturne. On estime que leur formation est très récente, il y a quelques centaines de millions d'années seulement. C'est très jeune quand on considère que Saturne en a plus de 4,5 milliards. Pourquoi ces anneaux sont-ils donc là? Eh bien en fait, pour chaque planète ou chaque astre dans l'univers, il y a une limite qu'on appelle la limite de Roche, nom de l'astronome français Édouard Roche 1820, qui est la distance à laquelle les satellites naturels commencent à se disloquer à cause des forces de marée. C'est-à-dire que l'attraction de la planète est plus forte d'un côté du satellite que de l'autre. Il va donc finir par se diviser en des millions, voire des milliards de corps plus petits qui vont donc former les anneaux. En parlant des lunes, on en connaît actuellement 82 qui orbitent autour de Saturne. Pour un scientifique avide de connaître les différents processus qui ont sculpté notre système solaire et lui ont donné l'apparence qu'il a aujourd'hui, Saturne est la planète à étudier. D'où la mission Cassini.
Cette géante gazeuse mesure 120 000 km de diamètre, soit 10 fois plus que celui de la Terre. Elle n'a pas de surface à proprement parler. Des vents balayent son atmosphère à la vitesse de 1600 km à l'heure et on sait que Saturne est sujette à l'éruption de gigantesques tempêtes. Dans une atmosphère telle que la sienne, il n'y a pas de frottement. Donc, quand quelque chose démarre, ça dure très longtemps. Au milieu du chaos de ces tempêtes, bizarrement, un motif ne change que très peu, c'est l'hexagone avec ses six côtés presque parfaitement rectilignes. Cela paraissait surréaliste parce qu'on s'attend pas à voir quelque chose avec des côtés droits dans une atmosphère nuageuse et cotonneuse. Les scientifiques pensent aujourd'hui que l'hexagone est un ouragan d'environ 32 000 km de large, avec en son centre un œil calme, entouré de vents pouvant atteindre les 540 km/h. Oui, sur Saturne, c'est calme. Les photos prises par Cassini forment une collection d'art unique en son genre. Elle célèbre son voyage et son arrivée en orbite, une source de fierté pour les scientifiques de la NASA. Saturne a beau être massive, elle est néanmoins très peu dense. Sa densité est si faible que si on plongeait la planète dans un océan géant, Saturne flotterait à la surface de celui-ci. En tant que sixième planète la plus proche du Soleil, Saturne orbite à une distance de 9,5 unités astronomiques. Il faut 80 minutes pour que la lumière parcourt cette distance depuis le Soleil jusqu'à Saturne. Et la planète effectue un tour complet autour de notre étoile en 29 ans. Une journée sur Saturne dure 10h42 seulement. Une des caractéristiques de Saturne sont ses grandes taches blanches, qui sont des tempêtes apparaissant périodiquement, environ chaque année saturienne, soit tous les 29 ans. Ces grandes taches blanches se forment dans l'hémisphère nord de la planète et peuvent mesurer plusieurs milliers de kilomètres. Elles s'étendent avec le temps et peuvent s'étaler sur toute la planète avant de commencer à s'estomper, un peu comme la grande tache rouge de Jupiter. Au pôle Nord, une structure hexagonale permanente, plutôt étrange, a été observée. Les origines de sa formation sont aujourd'hui encore incertaines, mais certaines expériences montrent qu'il est possible d'obtenir une telle structure quand un liquide a des vitesses de rotation différentes entre son centre et sa périphérie. La magnétosphère de Saturne est la deuxième plus vaste du système solaire, après celle de Jupiter. Mais les émissions radio de celle-ci ne sont pas détectables depuis la Terre. Je vous propose donc de les écouter. Saturne est la planète la plus distante visible à l'œil nu. C'est Galilée qui est le premier à en observer les anneaux en 1610, mais il pense alors que c'est un satellite de la planète. Et Christian Huygens qui comprend en 1655 que Saturne est en fait entouré d'anneaux. La dernière mission spatiale ayant pour objectif l'étude de Saturne et de ses lunes est la sonde Cassini-Huygens qui s'est insérée en orbite autour de Saturne entre 2004 et 2017. En fait, l'orbiteur est Cassini et Huygens est un atterrisseur qui s'est posé sur la lune Titan en 2005. Les anneaux de Saturne vont disparaître, mais ça ne va pas se produire tout de suite. Selon la NASA, cette disparition est prévue d'ici 300 millions d'années. Voici une modélisation accélérée du phénomène. Thank you.
Ces anneaux sont emblématiques du système solaire, mais ils ne sont pas uniques en leur genre. On en retrouve autour d'autres planètes, par exemple Uranus, et autour d'exoplanètes. Les anneaux ne sont pas les seuls corps célestes évoluant autour de cette planète. On voit partout autour de Saturne des lunes. Cela va de roches de 500 mètres de diamètre à une lune de presque la taille de Mars. Saturne recèle un mini-système planétaire, un nombre impressionnant de mystères. En une centaine de survols, le radar de la sonde Cassini perce les nuages de Titan. Découvert sur la zone polaire de Titan, l'existence de lacs et de mers est le plus grand d'entre eux, similaire en taille et en forme aux grands lacs sur Terre. Mais ces lacs ne peuvent pas être remplis d'eau, car l'eau gèlerait sur Titan. Cassini a détecté que c'est du méthane liquide. Sur Titan, le méthane se comporte comme l'eau sur Terre. Mais les découvertes faites sur une autre lune vont ébranler le monde de la science. Février 2005. La mission Cassini dure depuis 7 ans et 4 mois. Quand un survol du satellite Encelade change la donne, de mystérieux panaches de brume jaillissent de sa surface. On voit effectivement qu'il y a un panache de matière composé de jets individuels à partir du pôle sud d'Encelade. Minuscule par rapport à notre lune, Encelade s'avère une énigme. Normalement, les lunes si petites sont mortes et inactives. Alors comment se fait-il que des geysers soient éjectés dans l'espace? Comment expliquer cette activité? Puis Cassini découvre quelque chose au-dessus d'une surface gelée à moins de 200 degrés Celsius. Ce qui est considéré comme chaud, vous l'aurez deviné. On a découvert qu'au pôle sud, il y avait de la chaleur qui s'échappait, puisqu'il y avait de la vapeur d'eau, des poussières, de la matière organique. C'est qu'il devait y avoir une activité quelconque à l'intérieur. En utilisant de nouveaux modèles géochimiques, des scientifiques ont découvert que la concentration en CO2 dans l'océan d'Encelade peut être contrôlée par des réactions chimiques au fond de la mer. Ajoutons à cette découverte celles antérieures, d'hydrogène et de silice. Il suggère des environnements géochimiquement complexes dans le noyau rocheux. Une complexité qui aurait le potentiel de créer des sources d'énergie susceptibles de soutenir la vie. Saturne finalement nous prouve ainsi que l'espoir peut se trouver en dehors de sa prison d'anneaux.